Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours sur une Clio 2. Je vous en parlais d'un problème de chauffage parce que, comme il fait froid, tout le monde cherche le chauffage, tout le monde cherche à résoudre le problème du chauffage. Je vous montrerai sur celle-là. J'ai la première, la deuxième, la troisième vitesse, ça marche pas. Là, j'ai que la quatrième qui marche. Donc 3, 2, 1, 0, il marche pas. 4, ça marche. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce problème-là. Donc le pulseur, il marche qu'en quatrième vitesse ou en cinquième vitesse, c'est-à-dire il marche que en grande vitesse. Voilà, donc première, deuxième, troisième, ça marche pas. Je vais vous montrer le problème sur la Clio 2. La Clio 2, ils ont le chauffage à l'extérieur. Donc, si vous avez un problème du pulseur qui marche que en quatrième vitesse ou en cinquième vitesse, il marche pas en première, deuxième, troisième, vous allez directement ici. Vous allez directement ici. Vous démontez le cache. Voilà, vous démontez le cache et vous allez trouver la résistance, c'est celle-là. Donc voilà, vous achetez une résistance et vous la changez. Ça se dévisse avec une vis ici de 5 ou 6. Après ça se débranche comme ça. Après avoir retiré la vis, je vais chercher une clé vite fait, je vous montrerai, à tout de suite. Donc voilà, c'était bien une 5,5. C'est une 5,5. Je vais la desserrer, on va la desserrer ensemble. Là, je serre. Je crois ce que les pieds sont cassés. Voilà, comme ça, je desserre. Outil comme ça, je vais essayer comme ça. Ça marche, mais c'est chiant, mais ça marche. Donc une fois vous allez sortir la vis, voilà, voilà. Donc elle a les fils vers le moteur, le pulseur il est en bas là. Donc vous desserrez le pulseur, vous retirez la prise du pulseur. Donc voici la résistance, mes chers amis. Donc voilà. Et c'est ça qui crame. C'est ça qui crame au niveau de la résistance. C'est la diode là. Donc elle crame et elle tourne qu'en quatrième vitesse. Voilà. Donc c'est-à-dire ça, le fameux dispositif là pour faire les vitesses première, deuxième, troisième, ça marche pas. Ça va passer le courant, il passe directement vers la grande vitesse. Et ça marche qu'en 4. Je vais ramener l'autre, à tout de suite.
Donc, pour la remonter, vous commencez d'abord par le pulseur, la prise du pulseur. C'est chiant un peu. Ensuite, vous la rentrez comme ça. Si vous voyez, ça rentre comme ça avec cette patte là. Voilà. Et vous remettez la vis. Ensuite, on mettait la prise. Ensuite, on mettait ça. Voilà. Donc celle-là, c'est là pour la température. Voilà. Et vous remettez le cache. C'est bon. Merci à tous.